Salut, c'est Chris de Brooklyn Cry et vous êtes sur Rock and Love. De la déesse, de la fille, une déesse grecque, qui est venue sur Terre avec cette boîte où elle n'a pas pu résister à l'envie d'ouvrir la boîte en y laissant enfermer l'espoir pour les humains. Voilà, ça vient de la mythologie grecque. Contrairement aux deux premiers albums d'Incry, la composition s'est fait différemment. Avant, le groupe se réunissait pour composer. Là, on a composé avec les moyens numériques, c'est-à-dire qu'on a composé les morceaux sur ordinateur avant même de les avoir joués. C'était un mode de composition différent. L'animal en cavale vers sa dernière mise à jour d'étoiles et de lumière. Laurent Carilla, étant addictologue, nous a évidemment écrit un morceau qui parlait d'addiction, là où l'occurrence de jeux vidéo. Il a envoyé le texte à Kouros. Il a quasiment rien remanié sur le texte. Ça collait tout de suite avec un morceau qu'on avait, qui s'appelait pas du tout Monde Virtuel d'ailleurs au départ. Avec ces textes-là, on a décidé de l'appeler Monde Virtuel. Cette collaboration avec Laurent Carilla, en fait, s'est fait assez naturellement. On l'a rencontré en fait sur le festival de Satan Joker. Laurent Carilla compose pour Satan Joker les textes. C'est aussi un pote à notre manager, donc ça s'est fait de fil en aiguille humainement. On a appris à le connaître et ensuite la musique est venue après. En fait, il nous a proposé de créer des paroles pour un de nos morceaux. Donc, voilà, ça s'est fait tout naturellement. Après. Des feats avec un autre groupe, ouais, on y a pensé, on a quelques noms en tête, rien de concret, voilà, c'est juste, on y a pensé et on va voir si ça peut se faire. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu prétends, les bras croisés sur ta croix rigide, tu es fort, je connais trop l'espèce humaine, t'en es un beau spécimen, même ton nature t'entraîne à calibrer tes remords, à déraper sur les... Alors on a décidé de sortir Monde Virtuel et Cannibal parce que c'est des sujets qui touchent le plus souvent les personnes. Là on parlait d'addiction, voilà, c'est quelque chose de jour qui est très récurrent. Cannibal, ça raconte un peu ce qu'est et ce que sera l'espèce humaine, ce qu'elle a été dans le passé, dans le présent ou dans le futur. C'est-à-dire que si pour survivre tu as besoin de buter ton voisin, tu le feras. Voilà. C'est ça que ça explique. On a toujours voulu mettre l'humain en haut d'une échelle, alors qu'en fait finalement ça reste un animal. C'est ce qu'on a voulu dire dans Cannibal. On l'a enregistré fin 2014, je crois, studio Art Top Studio à Angoulême, chez notre pote Olivier Marron, qui est un très grand musicien et qui a travaillé pour un magazine critique et production musicale. Je pense que la chanson qui me représente le mieux, c'est Oxygène. Pas forcément par rapport aux paroles, mais musicalement. Parce que en fait, Oxygène, j'ai créé les riffs de ce morceau. En fait, c'était une composition que j'avais. J'ai envoyé à Noug et il l'a modifié. Mais en gros, ça vient de moi. Donc, je pense que c'est ce qui me représente le plus. Oh.
eu l'idée de faire pourquoi pas un cover. On s'est pas plus penché que ça sur le futur. On a commencé à composer quelques titres pour le quatrième album, effectivement. Mais là, pour l'instant, on se concentre sur les lives de 2016. Merci à tous de nous suivre, ça fait super plaisir, on a hâte de vous retrouver en 2016 pour notre nouveau show. On espère que vous serez au rendez-vous et que l'album vous plaira.